Il y a eu un incident impliquant le père d'Alexandre Champagne qui a fait beaucoup parler. Et Kevin, Corinne Desmarais, qui est avec nous ce soir, nous parle, lui, Kevin, d'une autre histoire de violence armée à Montréal. Cette fois-là, Kevin, ce sont 4 femmes qui ont été agressées par un individu qui, manifestement, avait des problèmes. Ça s'est passé, Kevin, en pleine rue, la nuit du 1er mars. Oui, exactement. Elles m'ont raconté l'histoire aujourd'hui et c'est épouvantable, Paul. C'est survenu au début du mois de mars. Donc, les 4 femmes étaient dans un bar sur la rue Wellington à Verdun. À la sortie, il était plus ou moins 3 heures du matin. Tout allait bien. Et soudainement, un homme dans leur dos est arrivé avec une matraque et leur a donné, là, par surprise, plusieurs coups à la tête. Et tout ça sans savoir, là, sans prendre garde. Avant de vous faire entendre leur témoignage, je vous dis qu'un homme de 22 ans a été arrêté. Son nom est Peter Niviaxi. Il est accusé d'agression armée et de voies de fait graves. Il aurait des problèmes de santé mentale. Il a déjà été accusé en 2021 d'agression sexuelle et de contact sexuel sur une personne d'âge mineur. Et vous verrez que cette soirée entre amis s'est tournée au cauchemar pour ces 4 femmes. Il nous a juste frappés. Ça l'a pris de quelques... L'espace de 30 secondes environ, on était tous par terre. Et continuer de frapper pendant qu'on était par terre et de crier qu'on méritait juste ça. On est tombé en état de choc, complètement sonné, plus de son, plus d'image. On a vu nos amis au sol pleurer. On a toutes des points de suture, environ presque une quinzaine chaque, commotion cérébrale majeure. Est-ce que ça vous soulage de savoir que l'homme de 22 ans a été arrêté? Oui. Par contre, ce qui m'a vraiment attristé, c'est qu'il avait déjà été arrêté, puis il l'avait remis en liberté. Donc, ça me fait peur un peu sur le système de judiciaire, en fait, de savoir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Est-ce qu'il va ressortir encore, puis est-ce qu'il va encore attaquer d'autres femmes? Et comment on peut prévenir ça? Je pense que définitivement, plus de surveillance policière sur la rue Wellington, qui est une rue très active, où est-ce qu'il y a beaucoup de bars. Ça nous donne une petite crainte un peu d'habiter dans notre ville qu'on se sentait en sécurité tout le temps. Puis, je sais pas, juste de marcher seul, de voir des hommes, les itinérants et tout. Je veux pas être méchante, mais c'est juste qu'il y en a vraiment beaucoup. C'est une histoire un peu d'horreur, mais en fait, c'est aussi une histoire que... On pense que ça arrive tout le temps aux autres, hein, ou qu'on voit ça justement au journal et tout. On pense pas que ça peut nous arriver. Mais voilà, ça nous est arrivé. On peut-tu arriver en 2024, puis que les femmes, on arrête d'avoir peur de se promener dans la rue puis se sentir en sécurité en tout temps?